fait du bien. Ça va toujours ? Ah, ils sont bien ce soir, ils sont très très bien. On va recevoir dans quelques instants, eh ben, tu vois, Patrick, je pensais à toi en écoutant ce monsieur parce que c'est une voix. Je sais qu'il y a des gens dans la salle et des gens devant la télé qui vont être tellement contents de le revoir. Il s'appelait Christian Delagrange. Christian Delagrange, il a vendu 12 millions de disques en 6 ans de carrière. Il a même fait les premières parties de Jacques Brel, des Beatles, à l'époque à Lyon. Les premières parties des Beatles. Au Palais d'Hiver de Lyon. Et il était sous le nom de Chris Galbert à l'époque. Alors, à l'époque, il s'appelait Chris Gilbert. Voilà. Après Christian Delagrange. Filles étaient folles de lui. Oh là là, elle traversait la Loire à la nage pour aller assister à ses concerts. C'est vrai, ça. C'est dire. Mais comment tu sais tout ça? Il a eu 170 demandes en mariage. Voilà. Et tous les posters étaient dans les chambres des jeunes filles. Combien de refus? Oh, quelques-uns. Oh là là. Et tous les posters étaient dans les chambres des jeunes filles. J'ai eu la chance de faire la première partie de Christian Delagrange à l'époque. C'était à Saint-Marcel, du côté de Marseille. Et il y avait, évidemment, il ne les savait pas parce qu'à l'époque, il arrivait en grosse voiture, tout ça. Enfin, nous, on était impressionnés. On était 5 ou 6. Et quand il est arrivé, j'ai jamais vu les gonzesses comme ça de ma vie. Si, avec toi depuis. Hein? Elles sont un peu comme ça avec toi depuis? Non. Voilà. En tout cas, je peux dire une chose, Patrick. Non, mais. Je peux te dire une chose, c'est que ce garçon est d'une gentillesse, mais vraiment d'une gentillesse exceptionnelle, d'une humilité exceptionnelle. Ça fait 2 jours que je veux le voir répéter avec nous là, mais vraiment d'une simplicité formidable. Je voudrais qu'on lui fasse un triomphe quand il va rentrer. Et il œuvre beaucoup pour le caritatif, énormément. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de temps et beaucoup de cœur à d'autres personnes sur cette terre. Voilà, ouais. Il s'appelle Christian Delagrange, on va se lever pour l'accueillir et on va pouvoir danser, frotter, ça va vous rappeler des choses, hein. Versé déjà trop de larmes pour un amour déçu. Tu étais déjà trop fragile. Aimer n'est pas toujours facile. Mais tu es belle. Et à ton âge, on ne meurt pas d'amour. J'aime redécouvrir chaque jour tes regards après l'amour. Poser les mains sur ton visage. J'aime les mots. J'aime ta façon à toi de garder toujours l'avantage. Même capricieuse et susceptible, ton charme est irrésistible, mais je suis perdu devant toi. Jamais su dire les mots qu'il fallait pour te plaire. Je suis trop maladroit et je ne comprends pas pourquoi. Quand je te fais du mal, mais sans jamais vouloir t'en faire. Alors ne pleure pas, pardonne-moi, ce sera la dernière fois. Sans toi, je suis seul. Sans toi, mon amour, la vie. À quoi sert?
Il y a eu des jeunes filles qui ont frotté avec des garçons. Monsieur Christian de Lagrange. Quelques micros noyés. C'est bon, on fera le ménage plus tard. Remontez la nappe. Ah, mon Christian, quel plaisir. T'as entendu tout le mal qu'on a dit de toi avant? C'est terrible. C'est terrible, hein. J'étais rouge de confusion. Ah oui, rouge de confusion. Vous êtes vraiment trop gentil. Merci d'être là. Alors, il y a un double DVD. C'est celui-là? Non, un double CD. CD et DVD, voilà. DVD, CD. Voilà. C'est l'enregistrement voilà. Au casino. En attendant le prochain. Excusez-nous, mesdames et messieurs, c'est un peu le chantier, mais c'est normal. Si vous étiez avec nous, vous vous amuseriez comme nous. Vous pouvez venir d'ailleurs quand vous voulez. Ça, c'est en attendant le prochain mois de. Avant les vacances. Voilà. Christian. Attends, faut que je récupère, moi. Pendant que tu récupères, si je te dis. Parce que j'ai dansé avec elle, elle me disait des horreurs à l'oreille. Ah, ça, je m'en je te jure, des trucs incroyables. Elle me disait moi, des trucs. Si sage. Insensé. Je l'ai vu de là-haut. Si je te dis Fox, bravo, Sierra. Tu m'as fait peur. Oui, tu parles. Ça te passe. Tu parles d'aviation, évidemment. Bien sûr. Pourquoi c'est un aviateur? On a un pilote d'avion très aguerri en face de nous. J'ai pas mal d'heures de vol. Bon, comment va ta vie aujourd'hui, Christian? Hein? Comment va ta vie aujourd'hui? Elle est merveilleuse. D'ailleurs, elle continue à être merveilleuse. C'est-à-dire que la vie m'a fait beaucoup de cadeaux. Et puis aujourd'hui, je m'investis un petit peu aussi, comme beaucoup d'autres artistes. J'étais très heureux d'entendre ça. Je m'investis aussi dans l'humanitaire, en rendant un petit peu tout ce qu'on a reçu. Voilà, je voudrais qu'on applaudisse très fort ce chanteur et cet homme exceptionnel. Alors. Je sais que si je le dis pas, mon équipe, qui est merveilleuse, va me faire la gueule. Donc je le dis. Tout ce qu'on fait, c'est www.assistancehumanitaire.org. Voilà, je l'ai dit, je vous embête plus avec assistancehumanitaire.org. Assistancehumanitaire.org. Voilà, c'est très important. Qu'est-ce qu'on se fait un petit coup?